La question de l'ombre pour Abdelkbir Rabi, c'est celle de l'acte de dessiner dans sa substance fondamentale, a indiqué l'artiste peintre qui donnait jeudi une conférence à l'occasion du premier forum culturel de l'AMAP, placé sous le signe L'ombre dans la peinture. Abdelkbir Rabi a fait savoir que son expérience dans la quête de la part de l'ombre dans la création artistique est un moyen de s'approcher de la lumière. Dans mon esprit et dans mon rapport à la peinture, écrire, c'est surtout interroger le processus de création dans sa substance même, pour l'élever au niveau de la pensée et le cerner et le rendre disciple. Mais c'est aussi courir le risque de céder à la tentation stérilisante de l'intention. Cette intention qui s'énonce selon une logique préétablie, au détriment d'un élan impulsif et créateur, dont la nature primordiale est de défier et de déjouer toute idée préconçue. L'artiste peintre a évoqué la question de l'ombre dans plusieurs domaines artistiques, notamment en sculpture, photographie, théâtre et peinture, et a relevé que lorsqu'on contemple une œuvre d'art, on ne se pose pas de questions sur le cheminement de son élaboration, mais on l'aborde comme une évidence. De création, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa portée, c'est comme le rêve, comme le fantasme, une affaire personnelle. Oui, l'acte de création est une affaire personnelle. Je vous le dis promptement et sans nuance, et plus encore. Si l'artiste en est réellement conscient, cela pourrait bien l'aider à faire de ses hésitations, de ses doutes et de ses faiblesses une aptitude avérée. L'agence marocaine de presse a entamé un nouveau cycle de La deuxième rencontres question. pour participer à l'animation de la scène culturelle et se propose d'organiser périodiquement ces rencontres avec l'espoir de faire entendre au grand public la voix des artistes.